Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce cours est un cours de mathématiques, un programme de mathématiques, j'allais dire, dédié aux élèves de la troisième. Ok? Dans d'autres pays, ils appellent ça neuvième année. D'autres pays aussi, dixième année. Je pense que Mali, Guinée là, ils appellent ça avec ces gens de... Je sais pas si c'est Mali qui est 9e année et puis Guinée 10e année ou c'est l'inverse. OK? Mais je pense que tous les pays francophones ou qui parlent le français, tous les élèves de ces pays-là peuvent bénéficier beaucoup de ce cours. Donc, voici la liste de tous les pays qui peuvent être concernés par ordre alphabétique. Béné, Burkina Faso Burundi Cameroun Komo, Côte d'Ivoire Djibouti Gabon Guinée Guinée équatoriale Madagascar Mali Niger Centrafrique RDC Congo Sénégal Seychelles Tchad, Togo Rwanda Algérie Maroc Maurice Île de Maurice Mauritanie Tunisie Donc tous ces pays là tous les élèves de tous ces pays là peuvent profiter de ces vidéos là donc si vous voulez me contacter, voici mon email et la page, la chaîne YouTube est là. Et voici mon WhatsApp. Donc, abonnez-vous et il faut suivre le cours. Et pour les exercices, si vous avez des exercices que vous ne comprenez pas, il faut juste me les envoyer. Et puis, je vais essayer avec mon temps libre. Je vais essayer de vous aider. Je vais essayer de corriger ces exercices-là. Voilà. Donc, envoyez par email ou par WhatsApp. Même avec photo, ça, ça peut aller. OK? Donc, bonne rentrée scolaire 2023-2024. J'espère que vous allez avoir plein de succès. Donc, on commence. Je vous présente d'abord le programme. OK? Donc, on a au total 20 chapitres. Chapitre 1, qui parle des nombres réels, chapitre 2, produit d'un vecteur avec un réel, chapitre 3, coordonnées d'un vecteur, racine carrée, équation, inéquation, rapport de projection, monôme polynôme théorème de Pythagore, fonction rationnelle, théorème de Thalès, repère autonomie et distance, angle inscrit, équation de droite, trigonométrie, système d'équation et d'inéquation. Le 16 e chapitre, position relative d'une droite et d'un cercle, application linéaire, application affine, isométrie, statistique et les solides comme dernier chapitre. OK? Voilà. Donc, nous commençons alors par le premier chapitre, les nombres réels. Donc, eh, pour les élèves, depuis la sixième jusqu'à la quatrième, en tout cas, les classes antérieures, vous avez vu les nombres entiers, les nombres rationnels et plusieurs types de nombres, nombres décimaux, tout ça. Donc, en troisième, on va vous parler des nombres réels. Donc, ce chapitre nombre réel là, voici le contenu du chapitre. Chap et première partie, ça sera juste un rappel sur les ensembles de nombres que vous avez déjà eu à faire dans les classes et antérieures. La deuxième partie du chapitre, c'est intervalle de R. R qui est justement l'ensemble des nombres réels. Troisième partie, encadrement. Et quatrième partie, valeur absolue et distance. Donc, j'ai mis les parties là ici. Voilà. Donc, pour cette vidéo, on va attaquer ces deux premières parties. -là. Rappel d'abord, et puis intervalle sur R. J'avoue que la deuxième partie là est très importante et elle risque même de déterminer votre réussite en classe de troisième. Donc, il faut vraiment comprendre cette partie-là. D'accord Donc, première partie du chapitre. Rappelle si les ensembles. Ok Donc, c'est ce qu'on a encadré en bleu ici. Voilà toutes les quatre parties. Nous allons attaquer cette première partie. -là. Donc, rappelle ci les ensembles. Ok Donc, quels sont les différents ensembles que vous avez connu depuis toujours, jusqu'à présent. OK bon, On va faire rappel sur ça. Mais avant de faire ça, j'aimerais rappeler ce symbole-là. Depuis la sixième, je pense. Vous avez vu ces noms de symboles-là. Bon, ça, les symboles, ce n'est pas vraiment C. Mais quand vous voyez un symbole comme ça, ça veut dire inclus. J'espère que vous vous souvenez de ça. Et celui-là, ça veut dire union. OK donc, je vais juste mettre les choses au clair avant de progresser. On est d'accord Donc, l'ensemble, ça c'est juste un rappel. Donc, vous avez vu l'ensemble N. Depuis l'école première, depuis la maternelle d'ailleurs, ça c'est ce l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, voici un exemple. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, ça, ce sont juste des nombres que vous avez vus depuis chose. 20, 30, 40, 50, ok On appelle ça les nombres entiers naturels. Deuxième ensemble que vous avez déjà vu aussi, l'ensemble des entiers relatifs, c'est l'ensemble Z. Et cet ensemble-là, Z, c'est égal à Z plus union Z-. moins. Faut pas me demander union-là, c'est quoi J'ai déjà rappelé ça ici avant de commencer, ok donc, Z égale à Z plus union Z moins. Donc Z plus, Z plus c'est l'ensemble des entiers qui sont positifs. Z moins, c'est l'ensemble des entiers qui sont négatifs. Voici un exemple des de nombre eh, des entiers relatifs. On a plus 6, moins 12, par exemple. Donc ça, à l'école primaire, vous allez dire que non, ce n'est pas possible. Mais à partir du lycée, du lycée, vous connaissez que. Les nombres négatifs, ça existe. Après, on vous a parlé des, des décimaux. OK? L'ensemble des décimaux relatifs. OK? Ça, c'est D. Et là aussi, on a des parties. Les décimaux qui sont positifs et les décimaux qui sont négatifs. C'est union des D. Union, quand on dit union, c'est l'ensemble. OK? C'est l'ensemble de deux choses qui fait union. Par contre, inclus là, quand on dit quelque chose est inclus dans quelque chose, ça veut dire que la chose est, existe dans, dans la première, existe dans la deuxième. quelque chose comme ça? Donc, voici des exemples. Plus 4,5 par exemple, moins 7,23. Ça, ce sont des exemples des décimaux relatifs. Okay? Après, on vous a montré. On vous a parlé, peut-être en quatrième, l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels. Les nombres rationnels, ce sont tout simplement des nombres avec équations. Ce sont des équations. 1 demi, 1 quart, 9 dixièmes, moins 4. Et là aussi, ça peut être négatif comme positif. Hein? Donc, vous pouvez avoir Q plus, Q moins. OK? Maintenant, ce qui est nouveau pour vous en classe de troisième, c'est qu'on va vous. Ce qu'on va introduire à partir de la troisième, c'est le nombre réel. OK? Nombre réel. C'est quoi le nombre réel? Donc, voici des exemples: 1 tiers, 1 septième, 1 treizième, 0, moins 1, 5, pi. Vous connaissez pi? Pi qu'on vous dit depuis. Toujours que c'est 3,14, là. En réalité, c'est pas 3,14, ça dépasse ça. C'est juste qu'on s'est limité à déciple après la virgule pour vous dire que c'est 3,14. Sinon, ça, y a pas de fin, ça continue toujours. D'accord? Donc, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que dans cet ensemble-là, il y a aussi des nombres rationnels. Ensemble de nombres réels. Vous voyez qu'il y a des fractions là-bas. Donc, ça veut dire que l'ensemble des nombres réels là, contient aussi l'ensemble des nombres rationnels. Ça veut dire que le Q est inclus dans les R. Parce que si vous prenez l'ensemble R, dedans, si vous fouillez, vous pouvez trouver l'ensemble Q. Donc, on dit que Q est inclus dans R. Ça, c'est juste des rappels. OK? Donc, si vous, aussi, vous, si vous remarquez ici aussi, dans l'ensemble Q là, on peut avoir l'ensemble D. Et dans l'ensemble D, on peut avoir l'ensemble Z. Et dans l'ensemble Z aussi, on peut avoir l'ensemble N. Donc, autrement dit, N est inclus dans Z. Z est inclus dans D. D est inclus dans qui? Q est inclus dans R. Donc, ça veut dire que R regroupe tout. Donc, on peut faire un schéma comme ça. Voici un premier cercle, par exemple. Ça, c'est l'ensemble des entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout ce que vous voulez. Sans virgule, sans un signe négatif. Ça, c'est l'ensemble des nombres réels, des entiers naturels, pardon, l'ensemble des entiers naturels. Donc là, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de moins. Si on part maintenant plus haut, tout ça, le deuxième cercle plus grand, c'est l'ensemble Z. Là, en plus des nombres positifs, vous pouvez avoir des nombres négatifs. Mais il n'y a pas de virgule. Donc, ça veut dire que l'ensemble Z, là, ça prend aussi l'ensemble N. Le N, là, est dedans aussi. Donc, si vous prenez ce cercle-là, vous voyez que l'ensemble N, là, est inclus dedans. Donc, Z, là, il y a des nombres qui sont positifs. Il y a des nombres qui sont négatifs. Seulement, il n'y a pas de virgule. Ok? Après, on prend l'ensemble D. L'ensemble D, lui, prend tout. Tout ce qui est dedans, là. N et puis Z aussi. Donc là, voici l'ensemble D. Donc, à partir de l'ensemble D, là, on vous dit que, ok, vous pouvez faire des virgules. Voici. Donc, tout ça, c'est inclus dans, dans l'ensemble D. Mais il n'y a pas de fraction ici. On n'a pas de fraction d'abord. C'est positif, c'est négatif, il y a virgule, tout ce que vous voulez, mais pas de fraction d'abord. OK? Donc, un autre Q, l'ensemble Q vient, lui, il va autoriser tout ce qui est passé là, tout ce qui est présent là, mais il va autoriser aussi les fractions. Donc, entier, ça est dedans. Relatif, Entier naturel, ça y est dedans. Entier relatif, ça y est dedans. Décimaux, aussi, dedans. En plus de ça, il y a les fractions. Donc, c'est ça qui fait, que, qui fait la particularité de l'ensemble Q. Donc, ça englobe tout ça. Maintenant, ce que on va introduire pour vous en troisième, c'est cet ensemble R. Un ensemble qui va regrouper tout. Okay? En plus de N, Z, D et Q, il va ajouter ça là, ce symbole là, qu'on qu appelle racine carrée. Ça, c'est nouveau pour vous en, en troisième. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ça, parler de ces, de ces nombres. Donc, on appelle ça racine carrée de D, racine carrée de 11. Après, il y a moins pi, le nombre pi. Puis, c'est un nombre, les virgules, là, il n'y a pas de fin. C'est vrai qu'on vous dit 3, 14, mais en réalité, ça dépasse 14. Après les 4 du 14, là, il y a, y a un nombre, il y a des nombres à l'infini. Donc, pour ce qui concerne les nombres, l'ensemble des nombres, voici un peu ce qu'on peut dire. J'espère que ça, c'est vraiment assez clair. Ici, là, il n'y a pas grand-chose qui est difficile quand même. Hein. On est d'accord. Voilà. Donc, on peut écrire en bas ici que N est inclus dans Z. Ce symbole-là, ça veut dire inclus. J'ai déjà rappelé ça ici au début. Z est inclus dans D. D qui est inclus dans Q. Et Q lui-même est inclus dans R. Voici la conclusion. Donc, la première partie est finie. On attaque maintenant la deuxième partie du chapitre. Il s'agit des inter intervalles. De R. R, là, vous connaissez ce que ça veut dire maintenant. R, c'est l'ensemble des nombres réels. C'est le nouveau ensemble que vous venez d'apprendre. OK? C'est le nouveau ensemble qui regroupe tous les autres nombres. Parce que tous les autres ensembles sont inclus dans R. Donc, on va parler des intervalles dans R. Cette partie est vraiment importante. Et ça va vous suivre jusqu'à la fin de l'année. J'allais dire pour toujours maintenant. À partir de maintenant, ça va vous suivre vraiment. Donc, il faut suivre attentivement. OK. OK. Intervalle de R. Avant d'attaquer les intervalles, va ici. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, je pense. Une droite graduée. L'origine haut ici, les nombres positif à droite et les nombres négatif à gauche. Je répète. Les nombres positifs à droite et les nombres négatifs à gauche. L'origine est au milieu. On est d'accord? OK Donc, ce que vous avez, c'est quoi? Ces nombres-là. Vous pouvez placer 1, 2, 3, ou même plus 1, hein? plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 1 million, plus 100 milliards, jusqu'à tout ce que vous voulez. Est-ce que vraiment il y a une limite? Il n'y a pas de limite. On est d'accord? Quand quelqu'un n'a pas de limite là, n'a pas de fin, comment on appelle ça? Quand quelque chose n'a pas de fin, on dit que c'est infini. Ça ne finit pas. Donc, vous voulez vous ajouter tout ce que vous voulez, ça ne finit pas. Ici, là aussi, pareil. Ça va juste dépendre de, de la limite de votre papier. Ou bien. Il n'y a pas de limite. À gauche comme à droite. OK? Donc, quand quelque chose n'a pas de limite, n'a pas de fin. Quand quelque chose est infini, quand quelque chose ne finit pas, on appelle ça infini. Quelque chose est infini. Donc, on a un symbole en mathématiques pour symboliser infini. Voici le symbole qui signifie infini en mathématiques. Vous voyez, c'est comme un 8, mais qui est couché. Quand quelque chose est infini, en mathématiques, voici le symbole. Qui signifie infini. OK? Donc, de ce fait, ici à droite, là, nous pouvons mettre plus infini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à. Oh là là. Donc, comme on ne connaît pas, il n'y a pas de limite, on met plus infini ici. Pareil, à gauche, ici aussi. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Jusqu'à on met moins infini. Moins infini. C'est clair. Donc, vous connaissez maintenant ce qui veut dire infini. On est d'accord. Hein? OK. On continue. Donc, on va faire une activité. Activité. C'est juste exercice. On vous demande de tracer une droite D qui est graduée, unité 1 cm. C'est comme juste cette droite-là. OK? D et on vous demande de placer les nombres les nombres suivants moins 3, D, 5, 6. On vous demande de colorer en rouge la partie de la droite où se situent les nombres compris. Strictement entre 2 et 5. Après, on vous demande de colorer en vert la partie de la droite où se situe le nombre strictement inférieur à moins 3. Quatrième, par, quatrième position, on vous demande de colorer en bleu cette fois-ci la partie de la droite où se situe le nombre strictement supérieur à 6. Donc, voici une réponse. Voici déjà la droite. On trace une droite comme ça. Voici la droite. La droite D, Il était 1 cm. Voici l'origine de la droite, l'origine du repère. 0 ici. Donc, on nous a dit de placer les nombres. Quels sont les nombres Moins 3, D, 5, 6. C'est vrai que cette droite a beaucoup plus que ça. Mais on peut retrouver tous les nombres qu'on a demandé. Moins 3, voici moins 3 qui est là. Vous voyez les cercles là il y a un petit cercle, un petit rond ici, qui matérialise le moins 3 là. Donc, on a placé les points. 2, D est là. 5, voici 5. 6, voici 6. OK? Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question qu'on nous demande, on nous dit de colorer en rouge la partie qui est comprise. Donc, les nombres compris entre D et 5. Entre D et 5. Les normes qui sont strictement compris entre D et 5. Voici, on a mis ça en rouge. Couleur rouge ici. OK? Troisièmement. En couleur maintenant. En vert. La partie. Qui est strictement inférieure. À moins 3. Où est moins 3? Moins 3 est là. Tous les nombres qui sont plus petits que moins 3, ils sont où? Ces nombres-là sont toujours à gauche des moins 3. Si on dit les nombres qui sont plus petits que quelque chose, si c'est plus petit seulement, ça est à gauche. Et l'opposé, si c'est plus grand, naturellement, ça est à droite. On est d'accord? Est-ce que c'est clair ça? Plus petit, c'est à gauche. Donc, moins 4 est plus petit que moins 3. À cause du signe moins, même si 4 est plus grand que 3, moins 4 est plus petit que moins 3. Que ce soit clair, hein? On est d'accord? Parce qu'à à cause du moins là, hmm? si on vous dit de prendre, si le professeur vous fait moins, moins 3 dans, dans votre note, ou moins 4, vous allez préférer quoi? Vous allez préférer moins 3, non? Parce que moins 3, c'est plus grand que moins 4. Donc, voici la partie qu'on doit colorer en vert. Tout ce qui est plus petit, on a dit, nombre strictement inférieur à moins 3. Les nombres qui sont inférieurs à moins 3, ici. Ce sont, ce sont les nombres qui sont plus petits que moins 3. Donc, voici les, ces nombres. La quatrième et dernière question nous demande. De colorer en bleu la partie maintenant, le où se situe le nombre strictement supérieur à 6. 6 est là, tous les nombres qui sont supérieurs à 6 doivent se trouver à droite de 6. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, mais comme on sait qu'il n'y a pas la limite, okay, jusqu'à plus infini. On vient juste de parler de ça ici. Voilà. Donc, des 6 jusqu'à... Oh là là, tous ces nombres qui sont là, à droite de 6 là, ce sont les nombres qui sont supérieurs à 6. Strictement supérieurs à 6. On est d'accord. Donc, on va dire que quoi Les nombres qui sont compris entre D et 5 là, ce qu'on a placé en rouge là, entre D et 5, ces nombres là forment un intervalle. Vous pouvez dire intervalle entre midi et 14 heures, par exemple. Même chose aussi, on peut dire un intervalle entre D et 5. Voici D ici, voici 5 là. Intervalle entre D et 5. Et si vous voyez? Intervalle entre D et 5, on va noter ça comme ça. Crochet, vous voyez le crochet là, vous mettez D ici. Point virgule, vous mettez le 5. Et vous mettez un autre crochet ici. L'orientation des crochets, là, ce n'est pas au hasard, mais on va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, comment on lit cet intervalle On lit intervalle de 2 à 5. Pour le moment, il faut retenir ça. Intervalle. Quand on dit un intervalle, c'est toujours entre quelque chose et quelque chose. Un point et un point. Vous pouvez dire même intervalle d'une vue à une autre. ok? Donc, vous retenez ce que ça veut dire, intervalle. Donc, entre 2 et 5. Maintenant, la partie qu'on a colorée en vert, c'est-à-dire les nombres qui sont plus petits que moins 3. Comment on va dire ça Les nombres qui sont inférieurs à moins 3, on va dire c'est intervalle. Vous voyez ici, on note ça comme ça. Le Voici les crochets, on met les crochets. On met moins l'infini. Vous savez maintenant ce que ça veut dire, moins l'infini. J'ai déjà expliqué ça au début. Oui. Je viens juste d'expliquer ça. Moins l'infini, ici. Et plus l'infini, là. Donc, de moins l'infini, ça dit à a pas de fin. Jusqu'à 3. Parce que quand vous écrivez, là, vous écrivez de gauche à la droite, non Donc, vous ne pouvez pas dire de... De moins 3 à plus l'infini. Non. Il faut toujours aller de la gauche vers la droite. Quand vous écrivez là, sur votre cahier, là, même si vous êtes droitier ou là. vous écrivez quand même de la gauche du cahier vers la droite. Sauf si vous écrivez en arabe. En ce c'est la droite vers la gauche. OK. Donc, comme si. Ici, ce n'est pas en arabe, on écrit. Ce n'est pas écrit en arabe. Vous allez dire donc de moins l'infini à moins 3. Ce sont les nombres. Comme ça. Vous commencez de gauche vers la droite. Donc, moins l'infini, vous connaissez maintenant à moins 3. Donc, on va lire de moins l'infini à moins 3. Voici comment on va lire cet intervalle. On est d'accord. La dernière partie maintenant, la partie qu'on a colorée en, en bleu, ici, en bleu, cette partie. Donc, ça, ce sont les nombres qui sont supérieurs à 6. Donc, ça, vous voyez, c'est 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à infini, ça finit pas. Jusqu'à, oh là là. Donc là, on va noter ça, cet intervalle à croché 6 et puis infini. Donc, de la gauche vers la droite. On est d'accord? OK? Donc, on lit ça, de 6 à plus infini. Donc, ce qui est nouveau ici pour vous, c'est infini. Moins l'infini, plus l'infini. Ce qui est nouveau encore pour vous, c'est intervalle. Maintenant, les crochets-là, les crochets vous voyez les crochets qu'on a mis ici. Vous connaissez les crochets, hein. On va voir quelles sont les différentes manières de mettre les crochets-là. Autrement dit, il y a plusieurs types d'intervalles. Donc, pour le moment, à partir d'ici là, pour cette partie, ce que qu'on veut que vous retenez, c'est ce qui signifie plus l'infini ou moins l'infini. Et qu'est-ce qui, qu qui signifie intervalle Quand on dit intervalle d'un nombre à un autre, ou bien un intervalle d'un nombre à plus l'infini, ou intervalle du moins l'infini à, à un nombre, okay? parce qu'on commence toujours de la gauche. Moins l'infini est toujours à gauche, plus l'infini à droite. Toujours dans les intervalles, moins l'infini est toujours à gauche, plus l'infini est toujours à droite. Vous voyez Parce que vous, vous écrivez de la gauche vers la droite. Donc, c'est ce qu'on que vous retenez. Signification d'intervalle. Infini, plus l'infini, moins l'infini. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va voir On va voir les différents types d'intervalle. Les différents types d'intervalle. Quels sont les différents types d'intervalle J'ai voulu faire quelque chose ici, mais ça ne m'a pas marché. Quels sont les différents types d'intervalles On s'en fout, hein? on y va. Donc, avant de commencer les différents types d'intervalles, je veux juste que vous compreniez un peu comment on utilise les crochets pour dé déterminer les intervalles. Les crochets. Donc, ce, qui, ce que j'écris ici, là, ça vient de moi, hein? c'est juste pour vous faire comprendre. Ça n'a rien de réel. J'ai décidé que le crochet là, comme ça, cette partie-là, on va appeler ça le dos du crochet. OK? Et les deux bouts qui sont là, là, on va appeler ça les bras du crochet. Donc, c'est comme si vous avez vos bras comme ça. Vous voulez eh, attraper quelqu'un. Ou attraper un poteau. OK? Donc, on prend les bras. Comme ça. Et le dos. Comprenez ça d'abord. Parce que ce sont les crochets là qu'on va utiliser pour faire interv les intervalles. OK? Donc, les bras et les dos. Donc, je vais mettre certaines valeurs et cette, je vais faire certains intervalles et vous montrer comment, qu'est-ce qu'on appelle si l'intervalle est fermé ou l'intervalle est ouvert. Parce que ça traumatise vraiment beaucoup de gens. OK? Donc, je prends ces, ces deux. A et B, par exemple. Je vais mettre un crochet ici et un autre crochet ici. OK? Donc, quand mon intervalle est ouvert, quand le crochet ouvre mon intervalle, parce que intervalle-là, pourquoi on a besoin de préciser si c'est ouvert ou bien c'est fermé? Quand vous dites intervalle de 2 à 5, la question qu'on peut vous poser... Est-ce que le D là est inclus dedans? Ou est-ce que le 5 là est inclus dans l'intervalle? C'est ça la question qu'on peut vous poser. Prenez les valeurs entre D et 5. Donc, moi, le procès peut vous dire, choisissez les valeurs des nombres entre D et 5, par exemple. C'est juste un exemple. Maintenant, il peut préciser que les D, là, ne le touchez pas. Donc, c'est entre D et 5, mais le D n'est pas dedans. Donc, vous pouvez prendre 2,1, par exemple, mais le D ne touchez pas. Donc, le D n'est pas inclus dans l'intervalle. Mais les 5, vous pouvez les prendre, par exemple. Donc, en ce moment, on va dire, en mathématiques, on a trouvé une méthode pour formuler ça. Donc, quand un nombre fait partie d'un intervalle, on va dire que ce nombre-là, cet intervalle-là sera fermé à ce nombre. Maintenant, quand un nombre ne fait pas partie d'un intervalle, donc ce nombre-là, l'intervalle sera ouvert à ce nombre. Donc, d'où... Histoire de fermer l'intervalle, ouvrir l'intervalle. J'avoue que ça, il y a des enfants, il y, y, y a des jeunes qui ne comprennent pas ça vraiment. Intervalle fermé, intervalle ouvert. Donc, pour vous faire comprendre ça, j'ai mis ici le dos des, des crochets et le bras des crochets. Quand un intervalle est ouvert, je vais l'écrire, je vais le mettre en bleu. Quand l'intervalle est fermé, pardon, je vais l'écrire en bleu. Quand c'est ouvert, je vais l'écrit en, en rouge. Ok? Donc, voici un intervalle. Donc, j'ai dit quoi? Quand c'est fermé, j'écris en bleu, non? Là, j'écris en bleu. Un autre. Voyez le crochet encore? Quand c'est fermé, j'écris en quoi? En bleu. Donc, il y a d'autres, tout de suite, ils vont s'amourer. Pourquoi? Vous voyez que les crochets-là sont opposés. Lui-là, regarde ici. L'autre regarde de l'autre côté. Mais tout est fermé, fermé. Parce que c'est un bleu. C'est fermé. Donc, voici la règle. Le A est fermé. Et le B aussi est fermé. Donc, ces crochets-là, ferme A. Et ces crochets-là celui-là ferme B. Donc la règle est simple. Quand les bras du crochet vont vers le nombre, ça veut dire que le nombre est fermé. On a défini les bras ici. Hein. Voici ce qu'on appelle les bras du crochet. Donc vous voyez les deux bras de ce crochet là vont vers A. Donc c'est comme si vous voulez attraper quelqu'un. Ou bien, vous voulez attraper un poteau. Ou bien, donc vous fermez la personne. Ou bien. Donc, voici un exemple qui permet d'illustrer ça. Les A est fermé et le B est fermé aussi. Parce que les crochets qui sont là, là. Lui, là, les A, là, voici, c'est un crochet. Les B, voici, sont un crochet. Les B, là aussi, le crochet du B, là, ferme aussi B. OK un autre exemple, je prends toujours les, les, les réels A et B, les nombres réels A et B. Vous connaissez réel maintenant. OK Je mets un crochet comme ça. Donc, à votre avis, ce crochet-là, il ferme A, ce crochet-là, c'est pour les, pour les réels A. Ce crochet-là ferme A ou bien ça ouvre A. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai fait ça. J'ai perds mon temps pour faire ça. C'est important. Donc ce crochet-là, comme ce crochet donne dos au réel A, on va dire que le A est ouvert ici. Si tu donnes dos à quelqu'un, tu ne peux pas l'attraper. Ou On est d'accord? Donc ici, on va dire. C'est ouvert. Le A là, c'est ouvert. Parce que le crochet là donne dos au nombre A. Et celui là, ce crochet là aussi. Vous voyez que celui là, c'est le crochet de B. Donc, ce crochet là, aussi donne le dos du crochet qui fait face au B. J'ai défini dos ici. Et les bras ici. On prend un autre exemple. Voici les réels A et B. Donc, on lit de gauche à la droite. Le crochet de A, celui-là. Il est comment Vous voyez que les bras du crochet vont vers A. Donc, ça veut dire que A est fermé. Et celui-là, le crochet du B. Ce crochet-là donne dos au point B. Donc, ça veut dire que le point B là les réels B là c'est ouvert ce qui en rouge c'est ouvert un quatrième exemple je prends ici il est ouvert le A est ouvert ou bien il est fermé Vous voyez que ce crochet là donne d'eau ou A, les bras sont sortants. Donc, le A ici est ouvert. Et là, vous voyez le crochet qui est là Vous voyez que les bras sont vers le point B, le réel B. Donc, B est fermé. Voici comment on détermine. Est-ce si que vous voyez que ce crochet-là et ce crochet-là, c'est même orientation ils font tous même orientation comme ça. Mais lui-là, c'est ouvert et lui-là, c'est fermé. Donc, voici la méthode que j'ai trouvée pour vous faciliter la compréhension. Imaginez que les deux bouts du crochet-là, ce sont les bras du crochet. Donc, si les bras bras de quelqu'un sont vers toi, si la personne veut t'attraper, ouvert. En ce moment, c'est fermé. Voilà. Si c'est le dos, c'est ouvert. J'espère que c'est bon. Ok, on continue maintenant. On va attaquer maintenant les types d'intervalles. Quels sont les différents types d'intervalles que vous avez? Premièrement, on a ce qu'on appelle les intervalles ouverts. Intervalles ouverts. Ça veut dire. Si on prend des nombres A et B, à part de maintenant, on peut aller vite, hein, parce que vous avez compris, ouvert, fermé. Intervalle ouvert. Si on prend donc des nombres A et B, l'ensemble des nombres réels X, tel que A est plus petit, strictement inférieur à X, et X qui est strictement inférieur à B, ça forme un intervalle ouvert d'origine A et d'extrémité B. Origine A, extrémité B. Ça commence A et ça se termine en B. Et voici comment on note l'intervalle. L'intervalle, c'est un intervalle ouvert. Donc, vous voyez que les symboles ici, les crochets là, ils donnent dos au point A, non? Ça dit que c'est ouvert en A. Le crochet qui est là pour le B, lui aussi donne dos au B. Donc, B aussi est ouvert. Donc, on va dire que c'est un intervalle ouvert d'origine A et d'extrémité B. Okay. Maintenant, une chose que vous devez aussi comprendre. Quand A, on a dit que A est inférieur à X. Donc, ça veut dire que X, X est au milieu de A et B ici. C'est ce que ça veut dire. A est plus petit que X. Quand vous faites la lecture, vous commencez du plus petit au plus grand. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. De la gauche vers la droite. vous allez prendre les, les nombres les plus petits et partir vers les nombres les plus grands. Donc, A, ça veut dire que votre X est, est élément de cet intervalle. On n'a pas noté ça ici, mais X est élément de cet intervalle. Ça veut dire que A est plus petit que X et X est plus petit que B. Donc, quand vous avez strictement inférieur, une autre information que vous devez savoir, quand vous avez strictement inférieur ou bien strictement supérieur, c'est que votre intervalle sera ouvert. Voici une autre remarque que vous devez faire. Quand c'est strictement inférieur, c'est ouvert. Donc, A est strictement inférieur à X, donc A est ouvert. Vous connaissez ouvert maintenant, hein? on a tout expliqué ici. Quand X aussi est strictement inférieur à B, donc B est ouvert voici B parce que on peut vous demander donner ça cette inégalité là et on vous demande de faire l'intervalle d'ailleurs on va faire un exercice d'application où vous allez avoir besoin de ça on va vous demander de faire ça donc on peut vous demander cette inégalité on vous peut vous donner cette inégalité et on vous demande de faire ces crochets là cet intervalle ou inversement donc vous avez besoin de savoir que quand on met strictement inférieur comme ça pour vous dire qu'il y a strictement inférieur ou il y a inférieur ou égal. Inférieur ou égal, vous connaissez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on met une autre barre en bas ici. En ce moment, c'est fermé. Mais pour le moment, ce qu'on a, c'est ouvert. Inférieur ou supérieur. Strictement inférieur, strictement supérieur. Ça sera ouvert. Il faut noter ça. On continue. Voici comment on va donc noter l'intervalle. Donc, graphiquement. Vous dessinez une ligne comme ça, vous mettez une flèche, vous dites que ça continue. Donc, c'est comme si vous prenez exactement les crochets là, la manière dont les crochets là sont ici, vous les mettez exactement ici comme ça, pareil. Un crochet ici, le crochet le même qui est là, vous l'écrivez ici. Et vous notez A ici, B ici. Donc, cette partie en rouge là, c'est ça votre solution, c'est ça votre c'est ça l'ensemble des nombres X. Vous pouvez même écrire X au-dessus ici. Voici la partie donc concernée. Les X. Là. Tous les nombres qui sont ici, ces nombres là, A est plus petit que tous les nombres qui sont ici. Tous les X, comme c'est beaucoup de nombres, on va les appeler X. Tous les X qui sont ici, A est plus petit que ces X. Voici, bah, si, si ça respecte ce qui est dit ici. A inférieur à x. Strictement inférieur. Mais les x qui sont ici dans cet intervalle-là aussi, en, dans cette ligne rouge-là, seront aussi plus petits que b. OK? Parce qu'ils sont à gauche de b. Donc, x inférieur à b. Donc, vous avez trois possibilités. Trois formes pour dire la même chose. Là, on appelle ça une inégalité ou bien un encadrement de X, si vous voulez aussi. Là, c'est l'intervalle de crochet comme ça. Et là, c'est la représentation graphique. Donc, trois possibilités pour vous. Ça, c'est le premier cas d'intervalle. Deuxièmement, donc là, D'abord, il faut, il faut comprendre comment on lit ça et qu'est-ce que cela signifie. On vous a dit que ici, quand c'est ouvert, ça veut dire que A et B n'appartiennent pas à l'intervalle. Donc, c'est comme si, si l'exemple que j'ai dit là, prenez les nombres entre D et 5, mais ne prenez pas... D ne fait pas partie de l'intervalle et 5 ne fait pas partie de l'intervalle. Donc, c'est comme, comme si ici aussi... Parce qu'on a dit A est strictement inférieur à X. Donc X ne peut pas être A. C'est strictement inférieur. Si on avait dit inférieur ou égal, ça pouvait être égal. Donc ça veut dire, dans ce cas, les A et les B ne font pas partie de notre intervalle. Donc, tout ce qu'on vous demande de retenir ici, quand le crochet est ouvert, ça veut dire que les A et B ne font pas partie de l'intervalle. On est d'accord. Maintenant, quand c'est inférieur, strictement inférieur ou bien strictement supérieur, l'intervalle sera ouvert. Je répète, strictement inférieur ou strictement supérieur correspond à l'intervalle, à un intervalle ouvert. Ouvert, vous connaissez maintenant ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il est... Le, le crochet là, va donner 2 au nombre. OK. Deuxième type d'intervalle. Intervalle fermé maintenant. Là, on a parlé d'intervalle ouvert, non? Là, on va parler d'intervalle fermé. Donc, voici un cas. Des réels A et B. OK. L'ensemble des nombres réels X, tel que A est inférieur ou égal à X, X qui est inférieur ou égal à B. Vous voyez ici? Inférieur ou égal, ou égal, ou égal. Donc là, on va obtenir un intervalle fermé d'origine A, d'extrémité B. L'origine, c'est A, ça commence à A et puis ça se termine en B. Donc, comme il y a inférieur ou égal, vous voyez ici la deuxième barre qui est en bas ici. En bas ici. À la différence ici, il n'y avait pas de deuxième barre. Donc, ce symbole-là, ça signifie inférieur ou égal, inférieur ou égal. En ce moment, les crochets seront fermés de partout. Fermés, ça veut dire que les, les bras là vont face. À A, le crochet pour le B, le bravo vont faire face à B aussi. Ok? Donc, on, on note aussi que quand c'est inférieur ou égal, quand vous avez ces symboles, ou bien ces symboles, ça veut dire que vos, vos crochets-là seront fermés, fermés. Ok? Voici ce que ça veut dire. Donc, la représentation graphique, vous tracez. La droite et le crochet, la façon dont les crochets sont ici, vous représentez ce crochet-là est reproduit ici. Exactement. Et ce crochet qui est là est reproduit ici. Exactement. Maintenant, les nombres A, vous les mettez juste au dehors ici. Pas dedans, hein? Dehors ici. Les B, vous les mettez ici, B. Et la partie solution, la partie qui est concernée, concernée par ça, c'est cette partie qui est en rouge. Parce souvent, on peut vous demander. De assurer la partie qui est concernée. Là, vous allez assurer des barres comme ça. Ou bien, on vous demande d'assurer de la partie qui n'est pas concernée. Là, c'est la partie, les deux parties qui ne sont pas concernées, c'est ici et ici. C'est les parties de la droite qui ne sont pas concernées. Mais ça dépend de l'RSI. L'RSI peut vous demander d'assurer de la partie concernée ou de, ne... de assurer la partie qui n'est pas concernée. Donc, moi, j'ai mis juste en rouge ici la partie qui est concernée. Okay. Donc, ici, dans, au, au contraire, A et B tous appartiennent à l'intervalle. Donc, les A et les B sont tous inclus dans l'intervalle. Ok Troisième type d'intervalle. On va parler maintenant d'intervalle semi-fermé ou bien encore semi-ouvert. Ça veut dire qu'il y a un côté qui est fermé, l'autre côté qui est ouvert ou inversement. Ok? Donc, on prend des, des réels encore, des nombres réels, A et B. Et l'ensemble des réels, tel que X, l'ensemble des réels X, tel que les réels A est inférieur ou égal à X. Et X est égales, strictement inférieur à B. Donc, vous voyez ici, inférieur ou égal. Les A, pour les A, c'est inférieur ou égal. Pour le B, c'est strictement inférieur. Donc, nous, on a dit ici, quand c'est strictement inférieur, c'est ouvert. Quand c'est inférieur ou égal, c'est fermé. OK? Donc, pour A, c'est inférieur ou égal. Ça veut dire qu'au niveau de A, là, c'est fermé. Ce qu'on a dit ici, fermé. Mais pour B, c'est strictement inférieur. Donc, pour B, là, ça sera ouvert. Donc, on va noter l'intervalle comme ça. A, B. Le crochet de A ici va fermer. Mais pour le crochet de B, ça sera ouvert. S'il vous plaît, j'ai expliqué ouvert et fermé ici. Encore une fois, je rappelle. Donc, fermé si les bras du crochet là font face à A. Vous voyez Fermé. Et là, le crochet donne dos à B. Ça veut dire que B est ouvert. Donc, la représentation graphique de ça, pour la représentation graphique, si vous connaissez l'intervalle, la représentation graphique est facile. Vous tracez une droite, vous mettez la flèche, le même crochet ici, là, vous venez, vous mettez ce crochet là à gauche ici, celui qui est à droite, vous le mettez pareil. Et vous mettez les, les nombres A et B, A, ah, au dehors comme ça. Il y a d'autres là. On a écrit A et B ici. Quand on va changer, on va mettre... Et 3 et 5, ils sont embrouillés. C'est la même chose. Hein. Il faut prendre juste si c'est 3 qui est là, tu mets 3 ici. C'est 4 qui est là, tu mets 4 ici. C'est tout, non? Ici aussi, pareil. Ici, on a pris des lettres, mais en réalité, ça va être des nombres dans les exercices. Voilà. Donc, la partie qui est solution, c'est cette partie qui est en rouge. Donc, là, par contre, les A appartiennent à l'intervalle, mais les B n'appartiennent pas à l'intervalle. Donc quand c'est fermé ça appartient à l'intervalle et quand c'est ouvert ça n'appartient pas à l'intervalle. Il faut noter ça. Je répète, quand c'est fermé ça appartient à l'intervalle, quand c'est ouvert ça n'appartient pas à l'intervalle. OK Donc ça ce sont ça c'est la euh, troisième type d'intervalle qu'on a. Quatrième type d'intervalle. On va parler maintenant d'intervalle illimité. Là, c'est un peu plus compliqué pour d'autres. Intervalle illimité. Mais en même temps, c'est plus facile. Vous allez voir pourquoi c'est plus facile. Parce que là, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Si maintenant on vous dit l'ensemble des réels X, tel que tous, ces, tous les réels X là, sont supérieurs ou égales à, à A. Déjà, vous avez entendu supérieurs ou égales. À A. Supérieur ou quand a égal. Quand il y a ou égal, quand il y a égal, on nous dit que quoi ici C'est fermé. Donc, déjà, dans votre tête directement, vous devez avoir à l'idée que le A là sera fermé dans, dans l'intervalle qui va suivre. Maintenant, vous imaginez sur une droite gradiée, tous les nombres, on a dit X, tous les X qui sont supérieurs ou égales à A. Tous les nombres qui sont plus grands que A, supérieurs. Il y a d'autres ici qui ne comprennent pas les symboles supérieurs là aussi. Ils hein? comprennent pas. Ils sont embrouillés. Est-ce que c'est ça qui est supérieur ou bien c'est ça qui est supérieur Ou bien c'est ça qui est supérieur Est-ce que c'est ça ou bien c'est ça Ça c'est inférieur ou égal Ça c'est supérieur ou égal On vous a dit pour savoir ça, il faut mettre une barre ici. Si vous mettez ça, une barre ici, ça va devenir 4. Si vous mettez une barre ici, ça va devenir 7. Vous voyez que 4 est plus petit que 7. Donc, celui-là c'est inférieur et celui-là c'est supérieur. Voici comment vous pouvez savoir. Donc, ici, on, est bel et bien, on a bel et bien les cas supérieurs ou égal Donc, x est supérieur ou égal à a. On est d'accord? Donc, tous les nombres qui sont plus grands ou égal à a, ce nombre-là, ça va faire partie de a jusqu'en plus l'infini. Si on prend un exemple, A égale à 4, par exemple. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1000, 1 million, 100 milliards. Tout ça, ça sera plus grand que, que les X. Donc, tous les nombres, tous les X qui sont supérieurs ou égal à A, donc, ça va être l'intervalle de A jusqu'à plus l'infini. Vous connaissez plus l'infini maintenant. Donc, on va dire que c'est quoi? C'est un intervalle illimité à droite. Contenant A. Illimité à droite. Ça veut dire que il y a infini qui est à droite. C'est plus l'infini. Si l'intervalle est illimité à droite, ça veut dire qu'il y a plus l'infini à droite. Maintenant, contenant A, ça veut dire que quand on dit contenant, ça veut dire que le A fait partie de l'intervalle. OK Donc comment on va noter ça Voici l'intervalle. Vous faites la représentation graphique comme ça. Une droite. Maintenant, c'est crochet au niveau des nombres réels seulement. Vous mettez le crochet. C'est crochet qui est là, là. Vous représentez ça comme ça. Et puis vous mettez les A ici. Maintenant, pour plus l'infini là, vous n'avez pas besoin de crochet. Vous connaissez même pas là où ça se limite. Il y a pas de limite. Donc, tu vas les trouver où pour mettre crochet là-bas. La flèche, ça continue. Jusqu'à la, à la limite de, de, de la feuille ou du tableau. Donc il n'y a pas de limite. Vous voyez? Donc vous n'avez pas besoin de mettre le crochet ici. Pour plus l'infini. Quand c'est infini, vous n'avez pas besoin de mettre le crochet. Pour la représentation graphique. Donc c'est ça qui embrouille d'autres personnes. OK? Donc, voici comment vous faites la représentation graphique. Un autre exemple. C'est le cas où maintenant l'ensemble des x là, sont inférieurs ou égal à a. Au lieu que ça soit plus grand que a, ces nombres réels sont plus petits que a. Si je prends le même exemple que j'ai pris précédemment, a égale à 4, par exemple. Je prends A égale à 4. Quels sont les nombres qui sont plus petits que 4 C'est 3, D, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, jusqu'à moins l'infini. OK Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas lire. On doit lire de la gauche vers la droite. Donc vous devez dire que de moins l'infini. À a. ok c'était moins l'infini à a et toujours infini est toujours ouvert il faut mettre ça aussi dans la tête infini que ce soit moins l'infini ou plus l'infini c'est toujours ouvert infini est toujours ouvert on est d'accord donc cet intervalle là c'est un intervalle illimité à gauche contenant A, à gauche parce que c'est moins l'infini vous voyez qu'ici, l'infini là est à gauche par contre ici l'infini là, là était à droite non voilà donc illimité à gauche et qui contient a pourquoi ça contient a parce que c'est fermé à a vous voyez les bras là entourent le a et ici on a inférieur ou égal on vous a dit que c'est quand il y a égal inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal ça veut dire que c'est fermé donc, la représentation graphique, cette fois-ci, c'est moins l'infini là. On n'a pas besoin de mettre ça. Vous voyez que moins l'infini devait être là. Donc, la partie qui est solution, c'est cette partie. Donc, celui-là, crochet de moins l'infini là, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Puisque vous ne connaissez même pas où moins l'infini là se trouve. Donc, vous allez mettre crochet comme là-bas Donc, au niveau des A, voici le crochet des A. Vous mettez A ici. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas mettre moins l'infini à droite. C'est toujours à gauche. Pareil ici, vous ne pouvez pas mettre plus l'infini à gauche. C'est toujours à droite. Parce que plus, vous ne pouvez pas mettre plus l'infini à gauche. C'est toujours à droite. Parce que plus l'infini, c'est supérieur. Donc ce qui est supérieur doit être à droite. J'espère que c'est clair. Hein. Donc voici la représentation graphique. Un autre type. Là, on va faire la même chose que cet exemple-là. Par contre, ici, au lieu de inférieur ou égal, on va dire strictement inférieur à A. X est strictement inférieur à A. Donc ça sera la même chose ici, sauf que ici, l'intervalle est limité à gauche, mais... Ne contenant pas A. Et A n'est pas dedans. Donc, tous les nombres qui sont plus petits que A, ça sera de moins l'infini jusqu'à A. Mais A, A n'étant pas dedans, vous voyez ici, c'est inférieur, c'est strictement inférieur. Donc, on ouvre A. Et crochet -là va donner dos à A. Et la représentation graphique, ça sera comme cela, mais c'est juste le. Le crochet là qui va changer. La position du crochet. Et vous notez les A ici. J'espère vraiment que j'étais très clair. Donc voici les différents types d'intervalles que vous avez. Donc, une remarque. Ce type d'intervalle là, intervalle illim illimité là, vous allez voir que c'est toujours un seul x supérieur à quelque chose ou bien x inférieur à quelque chose ou bien x. Par exemple, les intervalles qu'on a vus précédemment, intervalles fermés ou ouverts ou semi-fermés, semi-ouverts. Là, vous avez des, des réels. Vous allez avoir a inférieur ou égal x qui est inférieur à b, par exemple. Là, vous avez, c'est plus long. Par contre, quand il y a infini dedans, vous allez voir que est x et un seul nombre, soit x supérieur à a ou x inférieur à a. Ou inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Donc, il y a un autre exemple qu'on n'a pas fait ici. C'est le cas si on avait x strictement supérieur à a. Ça allait faire la même chose, sauf qu'en A, là, ça sera ouvert. Parce qu'on a dit strictement supérieur. Et on progresse. Je pense que. Euh, on peut faire un ainsi d'application pour voir si j'ai compris. Donc, voici, on vous dit d'écrire, parce qu'on vous a dit qu'il y a trois manières d'écrire cette information-là. Écrire sous forme d'intervalle chacun des ensembles des nombres ci-dessus. Ci-dessous. Donc, on a moins 3 inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à demi 17 inférieur ou égal à x. Donc ce que je disais tout de suite là, quand vous avez juste 1 comme ça là, c'est court, non? C'est petit. C'est qu'il y a infini dedans. Il y a infini dedans. Et là, pareil, x supérieur ou égal à moins 5. Là aussi, il y a infini dedans. Maintenant, on ne sait pas si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Là, c'est à vous de juger vous maintenant voir. Si tous les x sont plus petits que les nombres, si, si c'est x qui est plus petit, donc ça sera moins l'infini. Si c'est x qui est plus grand, donc ça sera plus l'infini. OK? Par contre, là, vous voyez qu'il y, y a des encadrements. Moins 6 inférieur à x qui est inférieur à demi. Donc là, vous allez avoir deux crochets. Il n'y aura pas d'infini ici. Pas moins l'infini, pas plus l'infini. Pareil ici. Là, par contre, vous avez seulement une seule inégalité. x inférieur à moins d. Donc là, il y aura forcément infini. Et là, si c'est plus l'infini ou bien c'est moins l'infini, ça, on va voir. Je vous ai dit que quand c'est x qui est plus petit, donc ça sera moins l'infini. Si c'est x qui est plus grand, donc, ça sera plus l'infini. Après, deuxième question, on vous dit de traduire, de traduire à l'aide d'une inégalité l'appartenance de x dans chacun de ces intervalles. Là, maintenant, on vous donne des intervalles et on vous demande de faire sous forme d'inégalité, comme ça, de faire ça comme ça. Troisièmement, on vous donne des intervalles, mais on vous demande de faire la représentation graphique et ici là on vous dit d'assurer la partie non concernée par l'intervalle la partie qui ne fait pas partie de la solution la partie qui ne fait pas partie de l'intervalle la partie qui n'est pas concernée de assurer assurer c'est comme barrer barrer comme ça d'accord OK oui. Solution. Donc, avant de continuer, avant de corriger les six, je remets tout ce qu'on a vu là, tout ça ici. Moins l'infini, plus l'infini, voilà. Quand les bras, les bras du crochet, les dos du crochet, quand les bras font face à un nombre, c'est que c'est fermé. Maintenant, si le dos, si le crochet donne dos, c'est que c'est ouvert. Voilà. Et on vous a dit que quand c'est inférieur ou égal, supérieur ou égal, quand il y a égal dedans, ça veut dire que c'est fermé aussi. Mais quand c'est strictement supérieur ou strictement inférieur, quand c'est strictement, ça veut dire que c'est ouvert. OK. Donc, premier cas. Les petits 1, on va transformer les inégalités là en intervalles. Ici, vous voyez ici, on a moins 3, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 9 demi. Donc, pour faire l'intervalle, on a dit que les moins 3 là, et quoi Inférieur ou égal. Inférieur ou égal, on a dit que ça signifie que c'est fermé. Donc, ce que vous avez, j'allais commencer par écrire. Vous écrivez d'abord le moins 3, vous mettez point virgule, le 9 demi. Et maintenant, pour les crochet du moins 3, comme c'est inférieur ou égal, vous allez fermer le crochet. Fermer, ça veut dire que les bras du crochet doivent couvrir le moins 3. Pour le 9 demi, ça veut dire là aussi, vous devez fermer le crochet. Fermer comment Vous fermez le crochet. Les bras du crochet doivent ouvrir, faire face à demi. Donc, voici pourquoi vous avez le crochet là comme ça. Et vous écrivez X élément. Élément là, vous comprenez, non? Hein? Depuis la sixième, vous avez vu, élément n'est pas élément, appartient, n'appartient pas. Donc, ce symbole là, ça veut dire que X est élément de l'intervalle fermé à moins 3, fermé à demi. OK? Petit B, vous vous rappelez, je vous ai dit, quand c'est une seule inégalité, quand c'est court comme ça là, ça veut dire qu'il y a forcément infini dedans. Maintenant, est-ce que c'est plus l'infini ou bien c'est moins l'infini Ça, ça va dépendre. Encore une fois, je répète, si c'est x qui est plus petit, ça sera moins l'infini. Maintenant, si x qui est plus grand, ça sera plus l'infini. Maintenant, on vous a dit ici que 17 est plus petit que x. Parce que 17 est inférieur ou égal à x. Il faut comprendre ça comme ça. C'est la logique, s'il vous plaît. Si c'est si x, on regarde la position de x. Est-ce que x est plus faible ou x est plus fort? Si x est plus faible, c'est que c'est moins l'infini que vous allez avoir. Si x qui est plus fort, vous allez avoir plus l'infini. Maintenant, quand on vous dit 17 est inférieur ou égal à x, c'est qui qui est plus fort ici 17 inférieur à x. Ça veut dire que 17 est plus petit que x. Si 17 est plus petit que x, ça veut dire que x est plus fort. Donc là, ça va être plus l'infini. Et plus l'infini, je vous ai dit, il est toujours à droite. Toujours. Donc, ça va faire intervalle 17 plus l'infini. Donc écrivez directement 17 ici point virgule plus l'infini. Maintenant 17 là c'est ouvert ou mais c'est fermé. On a dit inférieur ou égal non Il y a deuxième barre qui est en bas là. Donc vous fermez l'intervalle. Forcez. Mais l'infini là, c'est toujours ouvert, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini c'est toujours ouvert et ouvert là qu'on est donc le crochet va donner 2 le crochet va donner 2 à plus l'infini d'accord c'est on a x supérieur ou égal à moins 5,3 x qui est supérieur à moins 5,3. Ça veut dire que x est plus grand. Donc x est plus fort. Donc là aussi, vous allez avoir plus l'infini. Donc vous écrivez moins 5,3 plus l'infini. Plus l'infini, toujours à droite. Moins l'infini, toujours à gauche. Mais là, comme on a plus l'infini, donc on écrit comme ça. Donc comme c'est supérieur ou égal, vous allez fermer au niveau des... 5,3. Mais infini est toujours ouvert. Toujours. Il faut noter ça quelque part. Hein. Que ce soit moins l'infini ou plus l'infini, c'est toujours ouvert. OK Donc, regardez comment ils ont fait pour vous embrouiller un peu ici. Vous voyez ici, le X est derrière ici. Là, c x et là, c'est x est devant. Donc, alors que tous les deux, c'est plus l'infini, plus l'infini. C'est pour ça que je dis, il faut essayer de voir si x est plus petit ou bien x est plus grand. Ok? Donc, d ici, on a moins 6 qui est strictement inférieur à x, qui est strictement inférieur à 13,5. demi. Donc, ça c'est facile. Rapidement, vous écrivez moins 6, point virgule, 13 demi. Maintenant, le crochet pour les moins 6, ça sera ouvert parce que c'est strictement inférieur ici. Pour les 13 demi, le crochet sera comment? Ça sera ouvert aussi parce que c'est strictement inférieur ici aussi. Donc, tous les deux crochets vont donner deux. Pour les moins 6, le crochet va donner deux. Et pour les 13 demi, le crochet va donner deux à 13 demi. OK? Tout est ouvert. Bon. Les E là, on n'a pas besoin de faire ça. Hein? Parce que c'est la même chose que les D là. Sauf que ici là, au niveau des 11, ça sera fermé. Parce que là, c'est inférieur ou égal. OK? Je n'ai pas voulu faire ça. C'est la même chose. Donc, vous allez faire moins 4. Intervalle ouvert à moins 4. Mais qui est fermé à 11. Tout simplement. C'est simple. Maintenant, les F. Avec like f aussi. Comme c'est court, ça veut dire qu'il y aura infini de bas dedans. X inférieur à moins d. Ici, x est plus petit ou x est plus ou bien x est plus grand. Et c'est si x est plus fort ou x est plus faible. X est inférieur à moins d. C'est-à-dire x est plus petit que moins d. Donc x est plus faible. Donc quand x est plus faible, c'est moins l'infini que vous devez avoir. Moins l'infini est toujours à gauche. Et moins l'infini est toujours ouvert. Donc, rapidement, moi je mets moins l'infini à gauche. Et j'ouvre. Le crochet doit donner dos à moins l'infini. Et vous mettez les moins et là ici. Maintenant, est-ce que moins et là, c'est ouvert ou bien c'est fermé? Vous regardez les, ici l'inégalité. C'est strictement inférieur. Donc, c'est ouvert à moins et C'est très simple. Voilà. Deuxième partie, on dit de, de faire traduire sous forme d'inégalité ces intervalles-là. OK? Donc, A, X est élément de 0 à plus l'infini. Comment on va faire ça? B, C et puis D. Peut-être ici, on va tout corriger. Les A d'abord. Quand il y a infini, inversement, hein, ici là, vous voyez que quand c'était ce cas. Il y avait infini, lui là aussi il y avait infini, ici aussi il y avait infini. Donc je prends ici x est élément de 0 à plus l'infini est toujours ouvert. 0 là est fermé ou c'est ouvert, c'est fermé. Donc quand c'est fermé, ça correspond à supérieur ou égal. Là, on part en sens inverse. OK? Donc, on aura x supérieur ou égal à 0. Parce que vous voyez les nombres, si x est élément de cet intervalle, ça veut dire que les x sont plus grands que 0. Tout nombre qui est élément de cet intervalle est plus grand que 0. Donc là, vous n'avez pas besoin d'écrire trop long. x supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal Égal parce que les 0 ici est fermé. Vous voyez que les crochets, là, les bras là, entourent les 0. Donc x supérieur ou égal à 0. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus l'infini là. Il faut laisser ça. On n'a pas besoin d'écrire ça ici. Quand il s'agit d'inégalité. Juste ça, ça suffit. Donc, quand il y a infini, intervalle infini. La notation là est plus courte en termes d'inégalité. Le B là maintenant. X inférieur, x élément de l'intervalle, moins 45. à d. 24 sur si 3. 24 tiers. Donc là, le moins 45, l'intervalle, le crochet, c'est fermé ou c'est ouvert. Vous voyez que c'est fermé. Parce que les bras du crochet sont en face du moins 45. Par contre là, le 24 tiers, là, le crochet donne dos au 24 tiers. Donc le 24 tiers, c'est ouvert. Donc quand c'est fermé, c'est inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal. Quand c'est ouvert, c'est strictement inférieur ici. Donc, on, a, on va avoir moins 45 inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 24 tiers. Voici bah, ce qu'on aura. Ici, il y a infini encore. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'écrire grand chose. Maintenant, c'est infini, c'est moins l'infini ou bien c'est plus l'infini. Vous voyez que c'est moins l'infini. Comme c'est moins l'infini, ça veut dire que x sera plus petit. x sera plus faible. Donc, on va écrire x inférieur à 3. Pourquoi inférieur et non inférieur ou égal Vous ne pouvez pas mettre inférieur ou égal parce que le 3 ici est ouvert. Vous voyez que le, le crochet donne 2 à 3. Donc, ça sera strictement inférieur. x inférieur à 3. C'est tout. Quand il y a moins l'infini ou plus l'infini, en termes d'inégalité, c'est très court. On n'a pas besoin de mettre infini là-bas. Ici, intervalle fermé à 3, fermé à 15. 3 est fermé, 15 est fermé. Donc, ça, c'est simple aussi. Quand c'est fermé, c'est inférieur ou égal. OK? Donc, vous allez avoir 3 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 15. Là, c'est fini aussi, je pense. Dernière partie, là, on demande de faire la représentation graphique. Donc, quand il y a infini comme ça, vous n'allez pas avoir besoin de représenter ça, encore une fois. Donc, vous, avez avoir, vous allez avoir besoin de représenter seulement les 1 là. Maintenant, c'est fermé à 1. X élément de l'intervalle fermé à 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, on a dit ici d'assurer la partie non concernée par l'intervalle. Donc, le petit a ici, on va avoir quelque chose de comme ça. Donc, vous tracez la droite. Le crochet pour le 1. Vous mettez le crochet exactement pareil ici. Et vous écrivez 1 ici. OK? Plus l'infini là, vous ne savez même pas où ça se trouve. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire ça une fois. Si. Et une fois de plus, si, si, si la représentation graphique. Donc, si, vous avez besoin juste de crochet du, du 1 là. Et exactement la même chose vous reportez seulement en plus grand et vous écrivez comme ça donc la partie qui est solution c'est cette partie là évidemment donc on nous a dit de afficher la partie qui n'est pas concernée donc il faut juste barrer 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 ici c'est cette partie là qui n'est pas concernée petit b ici voici ce qu'on a ici aussi c'est infini non mais c'est moins l'infini donc la partie qui est solution là, c'est cette partie. Donc vous, le crochet du moins 1, vous écrivez exactement pareil comme ça. Moins 1. Et la partie qui n'est pas solution, c'est cette partie là. Vous pouvez acheter barrer, barrer, barrer la so partie. C'est cet intervalle là, ce qui était là depuis là. Donc là, on a tous les deux nombres. 1 et puis 4. Donc, ouvert à 1. Donc, la même, la crochet, la, la, la même manière, vous, juste, il faut juste rapporter ça comme ça, ici, comme ça. 1, et puis 4, vous écrivez un dehors ici, 4 dehors ici. Et la partie solution, c'est cette partie qui est en rouge ici. OK? Et la, les parties qui sont pas concernées, on nous a dit assurer ça. Donc, on barre. Cette partie ne fait pas partie. Et pareil, cette partie aussi ne fait pas partie. Donc, on va barrer ça aussi. Donc la partie qui fait solution, c'est cette partie. Et ça, ça peut venir à l'examen. OK Donc, quand c'est infini, moins l'infini ou plus l'infini, c'est facile. Il suffit juste de représenter. Vous représentez un seul nombre. Voilà. Plus l'infini, vous voyez, vous n'avez pas eu besoin d'écrire plus l'infini là. Laissez ça. Pareil, représentation, quand il s'agit de moins l'infini aussi, vous n'avez pas besoin d'écrire moins l'infini là. OK? Il suffit juste d'écrire le seul nombre qui est là-bas et de représenter son crochet. Pareil aussi pour les inégalités. Quand c'est moins l'infini, vous n'avez pas besoin d'écrire ça. OK? Plus l'infini. Ça veut, ça veut dire que les x est supérieur. Moins l'infini, ça veut dire que les x est inférieur. Pour les intervalles et inégalités. Pareil ici. Vous voyez que x, x ici est supérieur. Hein, parce que 17 est inférieur à x. Ça veut dire, autrement dit, x est supérieur à 17. Donc, ce qui fait que ça va faire plus l'infini, ce qui est là. Là, c'est pareil, c'est supérieur. Donc, ça sera plus l'infini. Là, c'est inférieur. Donc, on aura moins l'infini. Donc, je pense que c'est tout. Si vous n'avez pas compris, il faut poser la question. Et si vous avez des exercices, il faut envoyer les exercices. On va essayer de traiter ensemble. OK? J'espère que c'est compris. et bonne rentrée scolaire à tous. À la prochaine.